Torah tziva lanu, tziva lanu Moshe, Moshe morasha, keilat yamakov. Torah tziva lanu Moshe, Moshe morasha. Merci, chers amis, d'être de retour après cet intermède musical. On dit qu'au moment de la révélation au Mont Sinaï, il y a eu d'abord un brouhaha incroyable, des tonnerres, des bruits, le chauffard, une sonnerie, une alarme. Oui, oui, le Talmud dit ça. Et puis, soudain, ce fut un silence absolu, qui fut celui de la révélation. Voilà, on va en reparler dans un instant du silence de la révélation. Avant de commencer à parler de Cain et Abel, qui est un sujet que Fabienne m'a proposé de traiter, alors moi je me suis soumis à cette injonction. Voilà, dans un instant on va parler de ce début de la Genèse que beaucoup d'entre vous connaissent. Je voudrais d'abord remercier les personnes qui ont parlé avant moi, voilà, particulièrement il y a un instant, voilà, le rabbin Yann Boissière, et puis il y a un instant Emmanuel Nidam, il est encore là, il est dans la salle. Voilà, je veux le remercier vraiment pour cette intervention. En l'écoutant, je me suis dit que j'avais une idée à lui proposer, je ne sais pas, un truc qui pourrait marcher. On pourrait faire un truc qui s'appellerait « En thérapie biblique ». Où le lundi, Dayan recevrait Moïse, le mardi Josué, le mercredi Rahav et je sais pas, le jeudi le prophète Élie. Et ce serait vous le vendredi le... voilà. Enfin voilà, on va y réfléchir ensemble, si vous voulez bien, ça pourrait marcher. Alors voilà, chers amis, je vois qu'on est très en retard, mais bon, je vais essayer de peut-être parler, je ne sais pas, une demi-heure, quelque chose comme ça, on verra. Et puis ensuite d'avoir un échange, on peut partir dans plein de directions. Vous le savez, nous sommes tout au long de la nuit, en fait, selon nos sages, on est au pied du Mont Sinaï. Vraiment, on se trouve en cet instant au pied du Mont Sinaï, à nouveau. Mais comme si c'était la première fois, c'est-à-dire qu'il y a ce phénomène-là de répétition dans le calendrier juif, on y est à nouveau, mais c'est la première fois. Et vous savez que selon un célèbre midrash, toutes les âmes juives de l'histoire étaient présentes au Mont Sinaï. Donc même si on assiste à une nuit de Shavuot, peut-être pour certains parmi vous pour la première fois, c'est pas la première fois, puisqu'on rejoue une scène ancestrale où nous étions déjà présents et on opère quelque chose que la tradition, et particulièrement les kabbalistes, aiment à appeler un tikkun. Alors peut-être on en parlera tout à l'heure dans le moment d'échange entre nous, parce que le mot tikkun qu'on emploie un peu maintenant à toutes les sauces, vous l'avez peut-être remarqué, on parle tout le temps aujourd'hui de tikkun ou de tikkun olam. Beaucoup de gens ne savent pas exactement d'où vient ce mot et qu'est-ce qu'il veut dire précisément pour les kabbalistes. Mais en tout cas, au cœur de cette nuit de Shavuot, il y a très clairement pour nos sages une opération de tikkun qui est en chemin, qui a beaucoup à voir avec la notion de mariage que Fabienne évoquait il y a un instant. On assiste à une noce particulière, mystique pour nos sages. Et la fête de Shavuot, c'est une fête extrêmement importante, le don de la Torah, Torah tziva lanu Moshe, la Torah nous a été donnée cette nuit-là, il y a très longtemps, nous est donnée continuellement quand on revit cette nuit de Shavuot. C'est une fête très particulière, mais très méconnue, vous l'admettrez dans le calendrier juif, vous êtes là ce soir nombreux, mais il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de toutes les autres fêtes du calendrier juif, mais pas de celle-là. Les gens connaissent Pessah, Sukkot, Hanouka, voilà. Mais finalement, Shavuot passe un peu parfois à la trappe. Les gens ne la célèbrent pas, ne savent pas exactement comment elle doit être commémorée. Et c'est une fête qui est très particulière dans le calendrier juif parce qu'en fait, elle ne ressemble pas vraiment aux autres fêtes. Vous savez, d'habitude, les autres fêtes, ou presque toutes les autres fêtes du calendrier juif, correspondent à une célèbre blague que je suis sûre vous connaissez tous. On raconte dans cette célèbre blague juive que toutes les fêtes de notre calendrier peuvent être résumées en trois phrases. Ils ont voulu nous tuer. Nous avons été sauvés. Qu'est-ce qu'on mange ? Voilà. Ou quand est-ce qu'on mange ? Qui est une autre variante. En fait, ça correspond à toutes ces fêtes. Pessah, bien entendu, Hanouka, Pourim. Il s'agit toujours de commémorer une victoire contre un ennemi qui n'est pas toujours le même, mais Bechol Dor Vador, qui à chaque génération vient nous frapper. Et d'une manière ou d'une autre, célébrer notre salut.
Et voilà ce qui nous donne l'occasion de manger au choix des beignets, des matzot ou beaucoup, beaucoup d'huile sous une forme ou sous une autre dans ces différentes fêtes du calendrier. Mais ça, tout ce que je viens de vous dire n'est pas vrai à Shavuot. À Shavuot, certes, on mange, parce que voilà, on mange dans toutes les fêtes juives, presque. On mange souvent même tout au long de la nuit, ce qui n'est d'ailleurs pas du tout recommandé. C'est, je ne sais pas qui a mis en place ce principe d'aller manger du gâteau de fromage blanc tout au long de la nuit. Je crois que Weight Watchers n'est pas du tout en faveur de cette pratique. On mange beaucoup à Shavuot des laitages. Alors, il y a plein d'explications à ça. Vous connaissez peut-être notamment le fait que la Torah est comparée à du lait, à une matière nourricière, et que également le mont Sinaï était appelé Har Gavnonim, qui est la même racine que le mot Gvina, en fromage, en hébreu. Donc, il y a tout plein de jeux de mots autour du lait, des produits lactés à Shavuot. On mange plein de choses, mais à Shavuot, on ne fait pas de référence vraiment à un ennemi. On n'a pas d'ennemi extérieur dont on parle. On a peut-être un ennemi intérieur dont on parle, puisqu'on dit qu'on doit lutter contre, par exemple, le sommeil. Ce vote, quelque chose qui, en nous, du refoulé, pour utiliser les termes qu'on disait il y a un instant, en nous, une force peut-être refoulée qui dit non, je ne veux pas y aller, je ne veux pas me tenir au pied du mont Sinaï, je ne veux pas du tout entendre cette révélation. Et on pourrait s'imaginer que ce vote, c'est une fête où il n'y a pas d'ennemi extérieur, c'est un truc de l'entre-soi, de l'entre-soi juif, de la révélation. Et ce ne serait pas tout à fait exact, parce que la fête de Shavuot, quand même, il y a une présence forte de l'idée de l'altérité, de l'idée de l'autre, un autre qui existe tout de même et qui est central dans cette fête, mais qui n'est pas, pour une fois, un ennemi. La figure de l'autre est racontée dans un livre qu'on étudiera tout à l'heure et qu'on lira demain matin dans nos synagogues, le livre de Ruth. C'est par excellence le livre de l'accueil d'un autre, ou plutôt d'une autre qui aurait pu être notre ennemi, qui peut-être aurait dû être notre ennemi, puisque Ruth fait partie du peuple des Moabites, et que le peuple des Moabites, c'est un peuple dans la Torah dont on doit se tenir éloigné, parce qu'il est considéré comme une menace, comme un danger pour nous. Mais ah, incroyable, à Shavuot, non seulement on s'en approche, mais il nous rejoint, il devient un des nôtres, et il devient en fait la graine de notre salut, puisqu'on en reparlera sans doute plus tard, mais Ruth, c'est l'ancêtre de la lignée messianique, l'ancêtre du roi David et de la lignée messianique. Donc le salut dépend de l'intégration de cet autre dans notre lignée. J'ouvre une parenthèse, parce que c'est intéressant aussi qu'il y a un instant, on a parlé de Rahav, la personnage féminin qui a été choisie il y a un instant par Emmanuel Idam, c'est Rahav, ce visage de prostituée ou de transgression d'ordre sexuel dans la tradition, dans le livre de Josué. Mais en fait, on est aujourd'hui à Shavuot, l'anniversaire de la naissance du roi David, de la lignée messianique, et vous le savez sans doute, la lignée messianique, c'est une lignée qui est pavée, emplie de transgressions à caractère sexuel. Dans toutes les directions, quand on regarde les ancêtres du Messie, les ancêtres du roi David, en fait, ce ne sont que des histoires de transgressions à caractère sexuel, de femmes que l'on prend pour des prostituées, dans le cas de Tamar, de transgressions d'inceste, dans l'histoire des Moabites et des Ammonites, de femmes épousées en même temps que leurs sœurs, ce qui est une transgression aussi d'ordre sexuel dans le livre du Lévitique. Enfin, on a l'impression que toutes ces transgressions-là et ces histoires-là sont ce qui mène d'une manière ou d'une autre, qui doit nous invite à faire face avec humilité au chemin du salut. Voilà. Donc l'autre est bel et bien présent sous les traits de Ruth pendant cette fête. Shavuot est une fête, je le disais il y a un instant, spéciale, aussi pour bien d'autres raisons et particulières. À mon sens, c'est une fête très particulière parce que c'est la fête où sont véhiculées les plus extraordinaires midrashim, les plus belles légendes de notre tradition. Aussi les meilleures blagues juives, si vous êtes cool, je vous en raconterai peut-être d'autres tout à l'heure. Mais en tout cas, des midrashim extraordinaires qui ont toutes quelque chose à voir avec ce qui s'est passé cette nuit-là au mont Sinaï, et des interprétations magnifiques. Les midrashim et ces légendes rabbiniques tentent tous de répondre à cette question. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé au mont Sinaï? Qu'est-ce qu'on a vraiment entendu? C'est une question centrale dans la tradition rabbinique. On ne sait pas exactement ce qu'on a entendu au mont Sinaï. Alors, il y a par exemple un midrash, qui est peut-être l'un de mes midrashim préférés, que vous connaissez peut-être, où les sages se demandent qu'est-ce qu'on a entendu au mont Sinaï. Alors, certains sages disent, on a entendu
toute la Torah écrite et toute la Torah orale. C'est énorme, imaginez-vous, toute la Torah écrite et toute la Torah orale entendue au Mont Sinaï. D'autres sages disent, non, on a sans doute entendu la Torah écrite au Mont Sinaï. Et puis, d'autres sages continuent la conversation dans ce Midrash et disent, non, on a sans doute entendu les 10 paroles, la Seret Hadibrot, les 10 commandements, tel qu'on le dit parfois en français. Ce qu'on entendra demain matin. Et la conversation ne s'arrête pas là. Les sages disent, non, on a entendu uniquement la première phrase des 10 commandements. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est ça, ce qu'on a entendu au Mont Sinaï, l'idée d'un Dieu qui libère, qui émancipe. Et ça ne s'arrête pas là. D'autres sages interviennent dans la conversation et disent, non. Ce qu'on a entendu au Mont Sinaï, c'est le premier mot de la première phrase des 10 commandements. C'est tout. On a entendu un oré. Je suis. Ça, c'est encore un truc de psychanalyste. L'ego, voilà, le je qui aurait été simplement la manifestation du divin, tout ce qu'on aurait entendu au Mont Sinaï. Et on pourrait s'arrêter là, sauf que les sages, bien sûr, vont aller encore un peu plus loin. Et les mystiques, particulièrement, nous disent, la Kabbale nous dit, à travers certaines de ces voix, qu'au Mont Sinaï, nous étions tous réunis, 600 000 âmes juives, présentes et âmes à naître, pour entendre la première lettre du premier mot, du premier des 10 commandements. Et la seule chose que nous avons entendue au Mont Sinaï, c'est donc Aleph, qui est une lettre muette. Oui, les rabbins ont cet humour-là de dire que nous étions réunis pour ce moment de révélation extraordinaire où nous avons entendu rien. Voilà. Enfin, pas tout à fait rien, nous disent les mystiques, parce que le Aleph est une lettre qui n'est pas complètement muette. Le Aleph, pour nos sages, c'est, je les cite, le bruit que fait la glotte humaine qui s'apprête à parler. Fermez les yeux, nous sommes au Mont Sinaï et nous entendons. Voilà, voilà ce que nous avons entendu au Mont Sinaï, c'est-à-dire, pour le dire plus philosophiquement, la révélation nous a fait entendre la possibilité d'une parole. C'est-à-dire le peut-être, ce qui pourrait être dit encore, ce qui pourrait encore être entendu, mais n'a pas été encore énoncé. Voilà, ça c'est un des midrashim les plus magnifiques liés à la fête de Shavuot. Mais il y en a plein d'autres, il y en a un autre que j'aime encore plus que celui-là. Alors je suis désolée, il y en a certains qui l'ont peut-être entendu 10 fois, 20 fois, je ne sais pas, parce que les rabbins ça se répète beaucoup. C'est un midrash qui est dans le recueil de midrashim qui s'appelle Aseret Hadibrot, les 10 paroles. Et ce midrash affirme qu'au moment où Dieu a voulu énoncer les 10 paroles, il aurait alors, au Mont Sinaï, demandé à ce que montent sur la montagne toutes les femmes enceintes. Vous connaissez ce midrash ? On raconte que le peuple se tenait au bas de la montagne et que Moïse aurait reçu l'ordre de l'Éternel de faire monter toutes les femmes enceintes en haut du Mont Sinaï. Et c'est seulement lorsqu'elles se tenaient en haut de la montagne que par une opération très étrange, une sorte de quatrième dimension, tout à coup, les ventres des femmes enceintes seraient devenus transparents, comme des aquariums. Et l'Éternel aurait alors énoncé aux fœtus dans le ventre de leur mère. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu ne tueras point. Les fœtus auraient dit non. Tu ne voleras point. Les fœtus ont dit non. Tu ne commettras point l'adultère. Qu'est-ce que c'est, l'adultère ? Enfin, il y a tout un midrash qui suggère que, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ce midrash, à part le fait que c'est complètement surréaliste et on dirait de la science-fiction. Ça suggère que puisque l'expérience du Sinaï est une expérience intergénérationnelle à laquelle nous avons tous été présents, même si nous n'y étions pas, l'Éternel, en s'adressant à nos ancêtres à travers le ventre transparent des femmes enceintes, s'est en réalité adressé à qui ? Aux générations à naître, c'est-à-dire à nous. Mais puisque nous étions présents nous-mêmes, nous sommes ces femmes enceintes qui sont montées en haut du Mont Sinaï. Donc en fait, l'histoire ne s'arrête jamais. Puisque nous étions présents, l'Éternel s'est adressé en réalité à travers nous aux générations
qui viendrait ensuite. Vous voyez à quel point ce midrash est extraordinaire, un effet comme ça de translation permanente. C'est comme si la révélation, en réalité, ne s'adressait jamais aux personnes présentes, mais à celles qui viendraient ensuite. Et puis, il y a plein d'autres midrashim qui sont, pour certains, chargés d'un humour incroyable. Tout à l'heure, le rabbin Boissière faisait référence à l'un d'entre eux sur la question de pourquoi nous, peuple juif, avons reçu cette révélation. Il y a tout ce midrash où Dieu apparaît sous les traits, on pourrait dire, d'un vendeur ambulant. On imagine Dieu, voilà, pratiquement en train d'essayer de fourguer une encyclopédie, en train de toquer à toutes les portes, aux portes de tous les peuples présents à cette époque, en disant « achetez mon encyclopédie », c'est-à-dire « prenez ma Torah ». Et effectivement, il y a ce midrash célèbre où chaque peuple demande « mais qu'est-ce qu'il y a dedans ?»« Ah ben non, tu ne tueras point, moi ça ne m'intéresse pas. »« Tu ne voleras point ?»« Ah ben non, vraiment, ça ne me dit rien du tout. » Et Dieu continue comme ça de toquer à tout plein de portes jusqu'à ce qu'il arrive à la porte du peuple juif. Et là, on ne sait pas exactement pourquoi le peuple juif accède, vous posiez la question tout à l'heure, on ne sait pas, les mauvaises langues diront parce que c'était gratuit, mais non, pas du tout, en fait ce n'était pas gratuit du tout. Il y a cette idée très forte dans le Midrash que la montagne était placée sur la tête du peuple et que l'Éternel a dit soit vous acceptez, soit je lâche cette montagne. Donc en fait, on ne sait pas dans quelle mesure les Juifs acceptent vraiment avec grande volonté ou sont forcés à accepter cette loi qui est la nôtre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la littérature rabbinique et les rabbins sont tout à fait conscients par ces récits des conséquences énormes de l'acceptation de cette révélation, des conséquences intergénérationnelles, c'est le midrash des femmes enceintes, des conséquences aussi quant aux potentiels effets de séparation entre le peuple juif et les autres nations qui naissent de cette révélation, qui sont des effets, on va dire, à la fois politiques, sociaux et surtout même théologiques. En fait, il y a une conscience très forte dans la littérature rabbinique que l'acceptation de la Torah ne se fait pas sans conséquences, parfois même dramatiques, politiquement, sociologiquement ou théologiquement pour le peuple juif. Il y a une célèbre phrase que peut-être quelqu'un a déjà prononcée ce soir, en tout cas c'est une phrase centrale de cette nuit du mont Sinaï. Les rabbins dans le Talmud disent que au mont Sinaï est tombée sur le monde la Sina, qui est en hébreu la haine. En fait, ils font un jeu de mots sur Sinaï, le nom de la montagne, en le rapprochant du mot « sin'a », en hébreu qui veut dire « la haine », et ils disent « attention, l'événement du mont Sinaï est extraordinaire pour nous, a quelque chose à voir avec la haine d'Israël, avec le fait qu'à travers les générations et à travers le temps, les Juifs vont d'une certaine manière payer pour cette révélation. Il y aura des conséquences politiques extrêmement fortes, un lien entre cet événement et la haine d'Israël à travers les générations. Pour plein de raisons, les rabbins sont conscients très très tôt que, puisque la Torah représente la loi, la puissance de la loi, de l'hétéronomie de la loi, eh bien les Juifs vont payer à travers les siècles pour cette assimilation entre eux et la loi. C'est-à-dire que potentiellement, il y a ce ressort, on va dire, d'antisémitisme, même si utiliser ce mot est bien sûr un anachronisme, puisque c'est un mot relativement récent dans l'histoire, mais disons que la haine du peuple juif a eu souvent dans l'histoire quelque chose à voir avec le fait que les Juifs représentaient aux yeux de ceux qui les détestaient la loi que eux, ces antisémites, tentaient de repousser. Quiconque ne veut pas se soumettre à la loi, ou voilà, un problème avec cette idée de la loi de la légalité, va trouver dans le visage et dans le nom des Juifs les porteurs de la loi et ceux qui l'incarnent. Et puis il y a un autre ressort traditionnel de l'antisémitisme dont les rabbins sont très conscients au moment de cette révélation du mont Sinaï, c'est que potentiellement cette révélation et cet événement peut ou va déclencher l'envie, déclencher la jalousie et l'envie des nations à travers cette notion d'élection à laquelle on faisait référence il y a un instant, même si on ne sait pas exactement la traduire, qu'est-ce que ça veut dire cette élection, ce choix, ce peuple élu. En tout cas, c'est perçu comme étant un privilège qui est accordé à un peuple, et autour de ce privilège se développe la notion de jalousie et d'une envie particulière
dont les Juifs font l'objet, et là je ne vous apprends rien, c'est pas du tout un scoop, à travers l'histoire jusqu'à aujourd'hui. J'ai l'impression que ça résonne beaucoup, mais non, c'est... Ouais. Les Juifs sont considérés comme porteurs d'une bracha particulière, d'une bénédiction. On considère qu'ils ont peut-être plus de chance, qu'ils sont favorisés, que la vie leur est plus douce ou plus simple ou plus facile, ou qu'ils auraient plus les moyens. Il y a toujours cette idée dans le ressort de bien des discours d'antisémitisme, l'idée d'une envie à l'égard du peuple juif et une jalousie qui a également des éléments forts dans certains discours de théologie conservatrice de différentes religions monothéistes qu'on a entendues à travers l'histoire, la jalousie de celui qui n'a pas été convié à la fête ou qui se demande pourquoi, en tout cas, le Mont Sinaï a eu lieu en son absence. Voilà, et donc on va trouver ça dans une certaine théologie, vous savez, chrétienne à travers l'histoire, notamment l'idée de ce qu'on a appelé parfois le supersessionnisme, l'idée que, à un moment donné, un certain discours chrétien va tenter de dire que dorénavant, ils sont le Vérus Israël, le vrai peuple d'Israël, puisque le peuple juif, lui, a démérité et ne mérite plus l'alliance contractée, notamment. Et réitéré au Mont Sinaï. Et puis on va trouver ça parfois dans certains discours d'un islam voilà, radical, cette idée que les juifs et un peu plus tard les chrétiens ont trahi ou falsifié le texte de la révélation et que l'islam constituerait d'une certaine manière une correction du texte dans sa pureté originelle. Donc dans les deux cas, on voit qu'il y a une ressource de haine, une ressource théologique qui a quelque chose à voir avec ce moment d'une révélation. Les textes sont partagés, mais au moment de la révélation, on était tout seul. Comment ça se fait? C'est hautement problématique d'un point de vue théologique. Alors, la question de la jalousie et de l'envie, elle est récurrente, bien entendu. C'est un motif récurrent dans la Bible, en général. Quand on parle, et je parlais il y a un instant d'antisémitisme et de haine des juifs, le texte qui en parle le mieux dans la Bible, c'est incontestablement le livre d'Esther, la fête de Pourim, qui raconte cette envie que suscitent les juifs dans la Bible, sous les traits de Mordechai. En fait, la haine de Haman à l'égard de Mordechai, vous vous souvenez dans le livre d'Esther, c'est une envie, c'est une jalousie. On voit bien qu'il y a quelque chose que l'antisémite de la Bible, sous les traits d'Haman, jalouse chez celui qui se tient à la porte du roi, ou proche du royaume. Mais l'envie n'est pas qu'un moteur d'antisémitisme. Dans la Bible, c'est un moteur de haine extrêmement classique. Particulièrement, on en disait un mot il y a un instant, la question de la rivalité fraternelle, de la haine fraternelle, c'est le motif récurrent par excellence dans la Bible qui va déclencher la haine, tout particulièrement dans la Genèse. On est ce soir à la fête de Shavuot, ça veut dire qu'il y a 50 jours, on était encore en Égypte, au moment de Pessah. Qu'est-ce qui nous a fait entrer en Égypte? Bien sûr, c'est la rivalité fraternelle. C'est la haine entre Joseph et ses frères, ou plutôt les frères de Joseph sont jaloux de cet enfant chéri. La haine de Joseph vient elle-même d'une autre rivalité fraternelle, ou plutôt d'une rivalité de sororité, puisqu'il y a une tension extrêmement forte, une rivalité entre Rachel et Léa et leur servante qui va nourrir en fait la tension entre leurs fils. La haine ou la rivalité entre deux femmes est répercutée à la génération suivante dans cette rivalité des 12 tribus. Mais finalement, à chaque fois qu'on remonte d'une génération, on retrouve comme un leitmotiv dans la Genèse, dans la Torah, ce motif de la rivalité entre Jacob et Ésaü, la préférence d'un fils sur l'autre, et un peu plus haut, Isaac et Ismaël. On remonte, on remonte, on remonte, et on arrive, bien sûr, à la rivalité originelle, qui est la scène d'ouverture biblique par excellence, celle qui n'arrête pas de réverbérer, de se répercuter tout au long de la Bible. La rivalité fraternelle originelle, c'est bien sûr celle de Cain et Abel. C'est la jalousie par excellence, c'est comme ça que commence la Torah, par une histoire de jalousie. Les premiers enfants de l'histoire vont voilà, être soit victimes, soit commettre un fratricide par jalousie, ce qui semble de la jalousie. D'ailleurs, c'est intéressant parce que comment s'appelle le premier fils de l'histoire? Il s'appelle Caïn. Cain. Et comment se dit la jalousie en hébreu? Kina. C'est le même mot, vous voyez, Kina et Caïn, c'est exactement la même racine. En fait, la jalousie, elle est inscrite dans le nom que donnent les premiers parents de l'histoire, ou en tout cas la première lettre, mère de l'histoire, à son fils. Alors,
Tout ça nous invite maintenant à visiter ensemble, on va traverser ensemble ce passage quand même ultra connu du chapitre 4 de la Genèse, que j'ai copié pour vous, j'espère que vous l'avez devant les yeux. Un mot d'abord pour vous conseiller, si vous, après ce cours, si vous voulez aller plus loin, moi, il y a un livre que j'ai trouvé extraordinaire ces dernières années sur Cain et Abel, qui est un livre de Gérard Haddad, qui a beaucoup écrit sur ce qu'il a appelé le complexe de Cain. En disant, comme psychanalyste d'ailleurs, lacanien qu'il est, qu'il considère que peut-être à tort, la psychanalyste s'est beaucoup intéressée au complexe d'Œdipe, que Freud s'est beaucoup intéressé au complexe d'Œdipe, qui est donc une volonté de tuer le père, mais qu'en réalité, peut-être qu'on a fait l'impasse sur un motif biblique récurrent, qui est celui de la volonté de tuer le frère, beaucoup plus forte dans la Bible que la volonté de tuer le père. Et il a appelé ça ce complexe de Cain, qui selon lui est en fait à l'origine de tous les racismes et de tous les fanatismes, de l'incapacité à faire de la place à un autre sous les traits d'un frère. Alors maintenant, on est prêt à relire le commencement de la violence, de la sina. Je vais lire très rapidement, pas tout, mais on va dire un petit peu plus d'une page, parce que vous connaissez bien ce texte, mais je voulais que vous l'ayez à nouveau à l'oreille. Nous sommes au début du chapitre 4 de la Genèse. « Ve'adam, yada et rava ishto v'ta'ar v'teled et kain v'tomer kaniti ish et adonai » Or, l'homme s'était uni à Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn en disant, en fait littéralement, « J'ai acquis un homme conjointement avec l'Éternel. » Vatosef la ledet et ariv et avel. Et elle continua d'enfanter son frère, Abel. « Vayihi evel roetzon, vekaïn aya oved adama. » Abel devint pasteur de menu bétail et Caïn cultiva la terre. « Vayihi miketz yamim. » Il arriva à la fin des temps, au bout d'un temps. Il y avait Cain, mipri à Adama. Cain présenta du produit de la terre, mincha l'Adonai, une offrande à l'Éternel. Ve'evel evigam hu, miprorotsono, et Abel offrit lui aussi des premiers nés de son bétail, ou michal ve'em, de leur partie grasse. Sha Adonai el evel vel minchato. Le Seigneur accepta l'offrande d'Evel. De Abel, vel Cain vel minchato lo sha'a, mais à Cain et son offrande, il ne fut pas favorable. Vaïchar le Cain me'od, vaïplou panav, alors Cain en devint très triste et son visage tomba, qui est une expression biblique très forte, qui veut dire qu'on est abattu, notre visage tombe. Vaïomer Adonai el Cain, alors l'Éternel dit à Cain, lama charalach ve lama lafnou palecha, pourquoi es-tu triste? Pourquoi ton visage est abattu? Allo im tetiv seta. Si tu t'améliores, tu pourras te relever. Ve'im lo tetiv, et si tu ne t'améliores pas, la fetach hatat rovetz, le péché est tapis à ta porte. Ve'elecha tshukato, et il aspire à t'atteindre. Ve'ata timshol bo, mais toi, tu peux le dominer. Va'yomer Cain el evel achiv, Cain dit à son frère Abel, va'yei beyotam basade, tandis qu'ils étaient au champ. Vayekom Cain el evel achiv vayargehu. Cain se leva sur son frère Abel et le tua. Vayomer Adonai el Cain, l'Éternel dit à Cain, hey evel achicha, où est Abel ton frère? Vayomer lo yadati, il dit je ne sais pas. Hashomer achi anochi, phrase ô combien célèbre, suis-je le gardien de mon frère? Vayomer, et Dieu lui dit, me asita, qu'est-ce que tu as fait? Le cri des sangs de ton frère s'élève jusqu'à moi depuis la terre. Eh bien, tu es maudit à cause de cette terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Lorsque tu cultiveras la terre, elle cessera de te faire part de sa fécondité. Tu seras errant et fugitif par le monde. Cain dit à l'Éternel, mais mon crime est trop grand pour le supporter. « Vois, tu me proscris aujourd'hui de dessus la face de la terre, mais puis-je me dérober à ta face? Je vais errer et fuir par le monde, mais le premier qui me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Aussi, quiconque tuera Cain sera puni au septuple. » Et l'Éternel le marqua d'un signe pour que personne le rencontrant ne le frappât. Cain se retira devant l'Éternel, séjourna dans le pays de Nod, à l'Orient d'Éden. Il connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch, Hanoch en hébreu.
Caïn bâtit alors une ville qu'il désigna du nom de son fils Hanor. Et ensuite s'enchaîne toute la généalogie des enfants de Caïn, parmi lesquels Yaval, Yuval, Tubal-Caïn, ses femmes Tsila, Ada, Lémer, Lamech, son descendant, voilà, jusqu'à ce que naisse tout en bas, c'est le verset 26, un troisième homme, le troisième enfant de Adam et Ève, qui s'appelle Chet ou Set. On commença alors à invoquer l'Ikro Beshem Adonai, à invoquer le tétragramme. Voilà comment se termine ce passage, par l'évocation de ce nom indicible, imprononçable de l'Éternel. Donc vous voyez ce texte qui est très connu, c'est le récit bien sûr des origines de l'humanité, de nos premiers ancêtres, des premiers enfants nés dans l'histoire, mais c'est aussi le récit des origines de la violence. La violence apparaît tout de suite dans le texte avec la naissance de ces enfants. En fait, dans le récit de l'apparition de l'homme, est déjà écrit ou mis en possibilité la disparition d'un homme, sa destruction par son égal, par son propre frère. Alors on va reprendre maintenant, si vous le voulez bien, un peu plus lentement, quelques éléments de ces versets que j'ai lus avant peut-être tout à l'heure d'engager un dialogue entre nous, une discussion. On n'a pas le temps de faire une longue chavrouta aujourd'hui, donc je vais revenir assez brièvement sur différents éléments, différents versets qui ont donné lieu à beaucoup, beaucoup d'interprétations pour nos sages. Au départ, et c'est très visible dans les deux premiers versets que je vous ai lus il y a un instant, chapitre 4, au départ, naît un premier enfant dans une famille que peut-être un psychanalyste qualifierait assez vite de famille dysfonctionnelle. En fait, il y a un enfant qui naît, qui a priori l'enfant de ses deux parents, qui se sont connus, c'est ça le mot qui est utilisé en hébreu, ve Adam, yada et rava ishto, il s'est uni avec sa femme, littéralement, il a connu sa femme, de cette expression biblique connaître. Jusqu'alors, dans le texte biblique, la connaissance n'est pas un acte sexuel, la connaissance, c'est un arbre interdit, dont on doit se tenir à distance, en tout cas, un arbre qui représente une certaine menace, l'arbre de la connaissance. Mais au départ, très clairement, dans ce chapitre 4 de la Genèse, on entre à l'intérieur ou dans l'intimité d'une famille, la grande intimité d'une famille, qui nous apparaît comme étant assez dysfonctionnelle, puisque cet enfant qui est l'enfant de ses deux parents est décrit par sa mère comme étant uniquement le sien. Et elle décrit sa naissance pas n'importe comment, mais en disant en hébreu « Kanete ish et Adonai » « J'ai acquis un être, un homme, j'ai acquis un homme avec l'Éternel. » En fait, c'est comme si Ève disait, c'est ce qu'on comprend a priori, qu'elle a fait naître un fils avec Dieu. On a l'impression qu'on assiste un peu à la naissance presque d'un super-héros, d'un demi-dieu de la mythologie hellénique ou quelque chose comme ça. Et le terme qui est utilisé est troublant aussi. Kaniti en hébreu, ça correspond à une acquisition, les knot en hébreu moderne, c'est vraiment un achat, une possession. En fait, c'est comme si, dès le départ, cet enfant était littéralement, et dans tous les sens du terme, possédé par sa mère. Le premier homme, le premier enfant de l'histoire est possédé par sa mère, une possession qui va potentiellement, d'ailleurs, l'ancrer dans la jalousie. Kaneti kena, c'est le même mot, la jalousie et la possession, c'est un seul et même mot en hébreu. Pourquoi ? Parce que Caïn est dans le Ilia. Caïn, c'est celui qui est là pour sa mère, il est dans le « il y a ».« Il y a pour moi », c'est la possession. Et la jalousie a quelque chose avec a quelque chose à voir avec cette idée de « il y a », mais « il y a pour l'autre ». Comment ça se fait qu'il y a pour l'autre alors qu'il devrait y avoir pour moi ? C'est ça la définition de la jalousie. Et cette double problématique de la possession et de la jalousie va hanter la vie de Caïn. Caïn grandit dans une famille où, au départ, il est tout. Il est tout, puisqu'il est tout pour sa mère. Et assez rapidement, il est rejoint par un petit frère. Mais la naissance du petit frère, vous le voyez, est décrite comme étant assez anecdotique. Elle continua d'enfanter comme si c'était totalement un non-événement dans la vie de Ève. Et d'ailleurs, pour bien insister sur ce non-événement, elle l'appelle Hevel, qui veut dire buée, souffle. Hevel, c'est littéralement ce qui se produit quand on souffle sur une vitre.
apparaît cette petite buée, et puis au bout de quelques secondes, elle disparaît. Et ben, c'est comme ça qu'elle s'appelle, qu'elle appelle son fils. En fait, c'est comme si voilà, vous faites la connaissance d'une famille, monsieur et madame Adam et Ève ont deux enfants, un qui s'appelle Superman, super-héros, et l'autre qui s'appelle rien du tout. Et voilà comme ça que commence l'histoire. En fait, il y en a un qui s'appelle Ilia, et le deuxième qui semble s'appeler il n'y a pas, ou en tout cas il n'y a pas grand-chose, ou en tout cas il n'y aura pas très longtemps. Voilà, c'est un petit peu ça, le nom de Abel, comme une buée. Et ce face-à-face va continuer, cette opposition dans le métier qu'ils se choisissent, ou le métier qu'on leur impose, on ne sait pas exactement. D'un côté, il y a Abel, le pasteur, et de l'autre, il y a Cain, le cultivateur. L'un est nomade, c'est-à-dire errant, c'est-à-dire non ancré. C'est-à-dire qu'il est quelqu'un qui, comme son nom l'indique, ne laisse pas de traces, il ne fait que passer. Alors que l'autre, c'est Monsieur Possession, Monsieur Acquis. Il ancre sa propriété dans la terre, il plante, il fixe des limites, il récolte, il crée des bordures de terrain, il possède et il travaille. Et en fait, l'histoire pose là son déroulé. Juste après, on est au verset 3, il est écrit « Vayehi miketz yamim », il arriva à la fin d'un temps. L'expression est assez étrange parce que pour le lecteur biblique, elle fait écho à une paracha qui s'appelle Miketz. Vous connaissez peut-être la paracha Miketz. Miketz, ça veut dire à la fin, mais dans la Genèse, la paracha Miketz, c'est la paracha de la problématique fraternelle. C'est la paracha où Joseph est face à ses frères qui le détestent en Égypte et se pose la question de la possibilité ou de l'impossibilité d'une réconciliation entre les frères. Et c'est intéressant que ce mot-là surgit dès le départ dans le récit Miketz. La question de la fraternité et du fratricide possible est là, présente dès le début de la Genèse. Tous les opposent, en fait, Cain et Abel, dans le monde qu'ils représentent. Il y a d'un côté la sédentarité et de l'autre le nomadisme, mis en face comme deux civilisations ou deux modèles du monde qu'ils viennent incarner. Et tous deux présentent une offrande. C'est le thème de notre soirée, c'est pour ça que Fabien m'avait proposé ce thème d'ailleurs. La question de l'offrande, la question de l'accueil, mincha, un sacrifice ou une offrande est donnée. Elle est accueillie dans un cas, l'offrande de Abel, et elle n'est pas accueillie dans l'autre cas, l'offrande de Cain. Cain donne du produit de sa terre, vous l'avez lu, tandis que Abel apporte les premiers-nés de son troupeau et les parties grasses. Et bien évidemment, Les exégètes vont écrire des milliers de pages de commentaires au sujet de cette différence. Comment est-ce qu'on peut comprendre que Dieu ait accepté une offrande et qu'il en ait refusé une autre? Ça semble incroyablement injuste. On est là témoin de ce qui ressemble fortement à une injustice dès le début de la Genèse, une différence entre des frères. Ce que, vous savez, les enfants israéliens, il y a une expression qu'ils utilisent toujours en toutes circonstances, ils disent « the lawfare ». Faire. Et ça veut dire, c'est vrai que c'est pas faire, il y a un problème ici d'égalité. Pourquoi est-ce que l'offrande de l'aîné ne peut pas être acceptée, tandis que l'offrande du puits-né, elle, est bien reçue? Alors, on pourrait s'imaginer, il y a une possibilité d'interpréter ça comme ça. Que se passe-t-il? Intervention extérieure. Ah non, bon. Merci. On pourrait s'imaginer que cette idée de l'aîné défavorisé par rapport au cadet est en fait une amorce de ce qui se passera encore et encore dans la Genèse. Vous le savez, dans la Genèse, bien souvent, c'est le puits-né qui va avoir une bénédiction particulière. Isaac favorisé par rapport à Ismaël, Jacob par rapport à Ésaü, Joseph par rapport à tous ceux qui sont venus avant, notamment Ruben, l'aîné des enfants de Jacob. Donc ça pourrait être une piste d'interprétation, pourquoi est accueillie une offrande et pas l'autre, mais les commentateurs, je vous le dis, ne parviennent pas vraiment à résoudre cette énigme. Et alors les Midrashim tentent de se pencher sur la question de ce qui est vraiment de ce dont il est vraiment question dans cet insoluble du texte, cet insoluble de cette injustice originelle. Peut-être que ça a à voir, quelque chose qu'on met souvent en avant, avec le fait que Cain aurait dû donner mieux, donner plus, donner de façon plus généreuse. Son petit frère a donné la graisse des premiers-nés, alors que lui s'est contenté de donner un peu de sa culture. Et c'est comme si c'était problématique, cet élément-là, pour nos commentateurs.
comme si en fait, voilà, il aurait dû donner mieux, faire preuve d'une plus grande générosité. Mais d'autres commentateurs nous disent non, il y a forcément autre chose, et mettent en avant en réalité la capacité ou l'incapacité de Caïn à gérer le non-accueil, comme si le fond du problème était en réalité sa capacité ou son incapacité, la présence d'un visage qui s'effondre face au non-accueil de son sacrifice. Comment accepter qu'une bénédiction soit donnée à un autre, qu'un accueil particulier soit réservé à un autre, alors que j'y aurais toute ma place? C'est là, en fait, que bascule le texte. On est au verset 5 de ce chapitre. « Vayichar lekain me'od, vayplou panav, Caïn est très malheureux, son visage s'affaisse. » Et alors l'Éternel va s'adresser à lui. Dans ce qui pourrait être interprété, s'il le voulait, comme une forme de privilège, parce qu'après tout, l'Éternel s'adresse à lui, mais l'Éternel ne s'est jamais adressé à son frère, à Abel. C'est à lui que l'Éternel s'adresse. Et Dieu lui dit, au verset 6, « Pourquoi es-tu chagrin? Pourquoi est-ce que ton visage est affaissé ?» Et là, Dieu prononce cette phrase à son attention, « Si tu vas vers le bien, tu t'élèveras. Sinon, le péché est tapis à ta porte, il aspire à t'atteindre, mais toi, tu peux le dominer. » Et là, si la situation était mystérieuse, ce verset-là l'est encore plus. Ce verset est pratiquement un incompréhensible. C'est une phrase extrêmement mystérieuse et complexe dans la Genèse. Une phrase qu'on pourrait qualifier de phrase résidu, de phrase fantôme. C'est comme si cette phrase était hantée d'un inconscient ou de quelque chose de très particulier, hantée par des images qu'elle porte et qui sont très étranges. Le verset dit « Le péché est tapis à ta porte. » Comme s'il s'agissait d'un animal sauvage, comme ça, qui serait prêt à bondir au visage de Caïn. Et alors les commentateurs disent « Tapis à la porte ?» Mais à quelle porte ? Et la porte, pour les rabbins, sachez, presque en toutes circonstances, pour les commentateurs, quand on parle de pétard de la porte, il s'agit pour eux de la matrice. Il s'agit pour eux de l'origine du monde et du lieu de la naissance. En fait, la porte, c'est toujours pour eux, ou presque, ce qui renvoie au féminin et au maternel. Et en fait, les commentateurs remarquent, pour aller dans cette direction, dans cette piste, ils remarquent qu'il y a dans le verset une faute de grammaire ou une problématique d'accord. Il est écrit « Chatat les fetach » Chatat rovetz, merci. Or, chatat, le péché, est ici écrit au féminin. Vous savez que le péché, en principe, se dit en hébreu chet. Et là, il y a un mot qui bascule dans le verset au féminin, alors que le verbe rovetz est au masculin. Donc, les commentateurs qui sont très friands de ces questions des problématiques d'accord et de grammaire nous disent « Tiens, c'est étrange, il y a une surprésence du féminin dans le verset grammaticalement. » Et c'est ce qui leur fait dire, comme c'est surprenant, que ce péché a quelque chose à voir avec le féminin, c'est-à-dire avec l'influence féminine dans sa vie. Et là, on en revient à la problématique de départ de cette famille dysfonctionnelle, entre guillemets. Caïn est comme hanté par sa mère, par celle qui le possède, par celle qui pense l'avoir acquis avec l'Éternel. Caïn est appelé à savoir dominer quelque chose qui apparemment le menace et qui a à voir, selon les sages, avec l'histoire de sa mère. Et tiens, tout à coup, Dieu lui prononce cette phrase. Cette phrase dans le verset, ce verset qui dit « Elecha tshuketo, le péché aspire à t'atteindre, ve'ata timsholbo, mais toi tu peux le dominer. » Phrase mystérieuse, sauf pour un lecteur attentif de la Bible qui se souvient que le « ve'ata timsholbo » est presque mot pour mot ce que sa mère, Ève, a entendu une génération plus tôt. Au chapitre précédent, quand Dieu la met en garde, après la consommation du fruit, il dit à Ève, « Ve'ouyim sholbar, Adam, ton époux, risque de te dominer. » En fait, c'est presque le même mot. Conjugaison très étrange, on retrouve un écho de la phrase que Ève a entendue
dans ce que Dieu dit à son fils, à Caïn. Et il y a là comme un fantôme biblique, une revenance de versets, qui va créer un lien étrange entre des temps du texte, entre des générations, ce que les rabbins appellent parfois une intertextualité. Il y a une intertextualité entre deux chapitres de la Genèse, côte à côte, comme si quelque chose du traumatisme de la mère était passé dans l'oreille du fils qui le perçoit ou qui l'entend. Dans un cas comme dans l'autre, pour Ève comme pour Caïn, est en jeu la menace d'une domination sur eux, une emprise particulière qui s'exerce sur eux et dont ils doivent tenter peut-être de s'émanciper, ou en tout cas dont ils doivent tenter de se relever d'un ascendant qui aspire à prendre le contrôle. Dans un cas comme dans l'autre, est posée la question de l'autre, en fait. Quelle place y a-t-il pour un autre dans ma vie ? Est-ce que c'est un autre qui va me diminuer, me menacer ? Dans le cas de Caïn, c'est une menace sur son il y a, parce qu'il y a soudain un autre qui semble avoir ou recevoir ce que lui n'a pas. C'est une rupture de sa toute propriété, de son absolu, il y a, au profit d'un autre. J'insiste, j'ouvre une parenthèse un instant sur cette notion. J'en ai beaucoup parlé dans mon livre Réflexion sur la question antisémite, parce que la haine antisémite se construit bien souvent sur des ressorts similaires, sur l'idée que l'autre, le juif, a été favorisé, qu'il possède quelque chose que j'aurais dû avoir, qu'il aurait usurpé un bien qui me revient, une bénédiction, un accueil particulier qu'il reçoit et qui aurait dû être le mien. D'ailleurs, c'est intéressant aussi que souvent, dans la rhétorique antisémite, le féminin et le juif est presque le même visage. Vous le savez, on a reproché à travers l'histoire aux juifs et aux femmes à peu près la même chose. C'est d'être du côté, bien sûr, du hors-la-loi, l'amour de l'argent ou du pouvoir, une certaine hystérie, une proximité avec les puissants, etc., etc. Tout ce qu'on a pu reprocher aux femmes a été reproché aux juifs. Il y a quelque chose de commun dans l'accusation du féminin et du juif dans l'histoire. Et bien souvent, le visage, on va dire, de la rhétorique antisémite tombe dans ce que peut-être Gérard Haddad appellerait un complexe de Caïn, qui consiste à croire que un autre nous empêche de dominer notre destin et provoque en nous une jalousie, une kina, une menace sur notre kinyan, sur notre possibilité à posséder. Et on est maintenant au verset 8 de ce texte, au moment critique et dramatique du fratricide. Vous connaissez tous ou presque cette formulation étrange. Caïn dit à son frère, tandis qu'ils sont au champ, il se jette sur Abel et le tue. Et ça, cette formulation, elle est pour toutes les oreilles effectivement problématique, puisqu'il manque un mot dans la phrase. On ne comprend pas bien ce que dit Caïn dit à son frère. On attend le reste de la phrase qui ne vient jamais. Est-ce que cette parole a été effacée ou est-ce que précisément c'est parce qu'elle n'a pas été prononcée que le meurtre a lieu? Le mutisme joue un rôle considérable ici dans la violence. Et les rabbins vont également s'intéresser à la problématique du chant dans ce verset. Pourquoi est-ce que ce meurtre originel a lieu bassadé dans le chant? Et les rabbins, à nouveau, vont faire, à partir de ce bassadé dans le chant, un travail d'intertextualité. Ils vont chercher d'autres occurrences du chant dans la Bible et ils vont tomber sur un verset du Deutéronome que vous connaissez peut-être, où il est écrit « Si dans un chant, un homme viole une femme fiancée à un autre homme, alors voilà ce qui se passera. » Et à partir, abracadabra, de ce « dans un champ, exercice d'intertextualité », ils vont en conclure que le champ fait toujours référence à une jalousie d'ordre sexuel, c'est-à-dire le fait de convoiter la femme d'un autre, et donc se disent qu'en réalité, à cet instant du récit, Caïn et Abel étaient en train de parler de la répartition des femmes, étant en train de se poser la question de qui allait épouser qui. Vous connaissez peut-être ces midrashim, on dit que Caïn était né avec une sœur jumelle, que Abel avait lui deux sœurs jumelles, et donc il fallait savoir qui allait épouser qui, et c'est cette conversation qui aurait dégénéré et qui aurait mené directement au meurtre. Vous voyez, on est toujours, encore et toujours, dans une problématique de possession de richesse ou de possession de femmes,
savoir qui a et qui n'a pas, qui domine et qui est dominé. Ensuite, dans ce chapitre 4, l'Éternel va rappeler Caïn à sa responsabilité humaine, à laquelle Caïn va répondre « Shomer, ri, anochi, suis-je le gardien de mon frère ?» Cette phrase est ultra célèbre, c'était une des phrases les plus célèbres de toute la Bible dans la culture populaire. Ce qui est intéressant, c'est de lire ce que le Midrash en dit. Le Midrash compare la situation, c'est assez drôle, à un homme qui aurait cambriolé, pour montrer la mauvaise foi de Caïn, on compare ça à un homme qui aurait cambriolé une maison et qui serait ensuite, plus tard, rattrapé par le gardien de la maison. Et il répondrait à ce gardien qui l'arrête, « Mais moi, j'ai juste fait mon boulot de cambrioleur. C'est toi qui n'as pas fait ton boulot de gardien. » Et voilà, ce renversement parfait des responsabilités est l'argument de Caïn qui va déboucher sur la condamnation intergénérationnelle que vous pouvez lire dans la suite du récit jusqu'à cet autre verset. On est maintenant verset 10. Il est écrit « Les voix des sangs, la voix des sangs de ton frère hurle vers moi depuis la terre. » Et de ce verset, les commentateurs vont tirer un enseignement qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, qui est la problématique du pluriel dans ce verset. Le verset en hébreu le dit, verset 10, je ne sais pas si c'est bien traduit, non, voilà, c'est pas bien traduit en français. Le verset dit « Mais ainsi, qu'as-tu fait ?»« Kol de mei achicha » La voix descend, au pluriel, de ton frère, « hurle vers moi, mina adama, depuis la terre. » Et bien entendu, les rabbins vont se passionner pour ce pluriel. Pourquoi il n'y a pas écrit « la voix du sang de ton frère » Il en avait plusieurs. « Oui, répondent les commentateurs, en fait, hurle depuis la terre, non pas simplement Abel qui a été assassiné, mais tous ses descendants, tous ceux qui auraient dû naître de lui et qui ne verront pas le jour, et toute la descendance d'Abel hurle depuis la terre qu'elle n'a pas pu venir au monde. » Et là, verset 11, la malédiction de Caïn est énoncée, il sera dorénavant errant, nomade sur la terre. Mais le paradoxe est complet, puisque je vous ai lu un peu plus loin ce texte et vous l'avez découvert. Caïn aurait dû être errant et sans ancrage, comme son frère. Mais qu'est-ce qui devient tout de suite après? Un bâtisseur de ville. Donc on a l'impression que suite à cet épisode, Caïn s'ancre encore un peu plus dans la sédentarité. Et pourtant, toute sa descendance va être hantée par le fantôme de l'ancêtre disparu. En fait, si vous regardez un instant, j'ai même entouré, je ne sais pas si vous le voyez sur les photocopies, comment s'appellent les descendants de Caïn, c'est assez troublant. Il y en a un qui s'appelle Tuval, il y en a un qui s'appelle Yaval, il y en a un qui s'appelle Yuval, Tuval Caïn. En fait, dans toutes ces racines hébraïques, il y a le nom Evel. Tuval, Yuval, Tuval Caïn. En fait, Evel ne cesse de revenir, le souffle ne cesse de revenir. On ne peut pas s'en débarrasser dans la descendance de Caïn. Ça souffle dans la famille, c'est-à-dire dans la nôtre. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que Abel a vraiment disparu? Où est passé ce souffle? Est-ce qu'il continue de circuler dans le monde ou pas? Alors, j'amorce maintenant un virage, je ne sais pas combien de temps il me reste. Non, mais j'amorce une conclusion pour qu'on puisse en discuter. Pourquoi vous parlez de cela ce soir? C'est peut-être la question que vous posez. Quel rapport il y a entre ce crime originel et ce qu'on vit ce soir, qui est le don de la Torah au Mont Sinaï? En fait, le don du Mont Sinaï, le don de la Torah, permet qu'il y ait dans le monde la Torah. En fait, de ce point de vue-là, cet événement est un « il y a », puisqu'il déclenche dans le monde... Voilà, une présence, un message qui lui-même va déclencher, chez certains, une haine particulière qui réagisse. Le juif est perçu comme possédant quelque chose qu'il a pris ou usurpé à un autre, qui aurait dû peut-être le posséder avant ou en même temps ou mieux. Il a reçu seul ce qui aurait dû être partagé dès le départ avec d'autres. Mais paradoxalement, vous l'avez entendu tout à l'heure, dans les Midrashim, que j'ai mis en avant, mais ils sont très nombreux à aller dans ce sens-là, à Shavuot, les Juifs n'arrêtent pas de raconter ce moment de révélation, non pas comme l'acquisition d'un « il y a », mais comme celle d'un « il n'y a pas ».
En fait, 600 000 âmes sont réunies au pied d'une montagne pour entendre un souffle, un rien, un aleph, un inaudible. Et les Juifs disent qu'au Sinaï, ils ont reçu d'une certaine manière un rien à entendre. Pas un circuler, il n'y a rien à voir, mais un circuler, il n'y a rien à entendre. Un texte qui reste à être dit, qui reste à être commenté et interprété, un texte qui se transmet à des fœtus, c'est-à-dire à des êtres qui ne sont pas encore là et qui pourront à l'avenir le dire et l'explorer et le commenter et le transmettre. Ils sont conviés à cet événement de la révélation, non seulement les présents, c'est-à-dire le « il y a » de cette génération, selon la légende, mais également tous ceux qui viendront un jour et qui ne sont pas encore là, c'est-à-dire tous les « il n'y a pas » ou les « il n'y a pas encore de l'histoire. » Ils seraient montés en haut de la montagne, des fœtus, c'est-à-dire à nouveau ceux qui n'étaient pas encore là, à qui la loi s'adresse à travers nos ventres, à travers nos possessions et nos présences dans les générations. La révélation s'adresse à un au-delà qui est tout sauf planté sur terre, cultivateur terrien, tout sauf sédentarisé dans une ville construite ou dans un espace fini. Et d'ailleurs, posons-nous la question, à quel moment intervient cette révélation? Elle n'intervient pas une fois qu'on est rentré sur la terre promise, une fois qu'on est arrivé à Jérusalem ou qu'on a construit un temple ou une cité. Non, 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 non. La révélation intervient sur une petite montagne que on ne sait pas placer sur une carte et qui est, semble-t-il, dans un no man's land, dans un endroit qui n'appartient à personne, où simplement la station de nomade nous permet d'arriver de façon temporaire. La révélation n'a pas lieu sur la terre de Cain, dans un champ de cultivateurs, ou dans la possession d'un bâtisseur de ville. Elle a lieu sur une montagne où vont paître des troupeaux, le Sinaï, ou Horev, ou Aragavnounim, tous les noms que porte cette montagne, selon les appellations, dans un champ où les troupeaux d'Abel, s'il était encore là, pourraient aller paître. Et c'est là où, selon les commentateurs, s'établit un lien subtil et surprenant entre ces deux moments, entre le meurtre originel et la révélation biblique. Et voilà que le Midrash l'affirme de façon extrêmement claire dans un livre mystique qui s'appelle le livre du Zohar, le livre par excellence de la mystique juive, qui dit cette phrase avec un immense mystère, énonce la chose suivante. Moshe est la réincarnation d'Abel. Ah. Et là, vous vous dites, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? On vient de dire que le kol dmei achicha tzoakim elai min ha'adama, la voix des sangs de ton frère Abel, crie depuis les profondeurs de la terre, ce qui veut dire que ce sang, que de ce sang, rien n'est né, rien a priori n'est venu au monde. Ce verset, en fait, a été interprété par nos sages comme la destruction de la descendance d'Abel, la mort de tout ce qui aurait dû naître de lui directement et qui ne pourra pas voir le jour par la responsabilité du criminel, mais, disent-ils, par Moïse, quelque chose d'autre devient possible et Abel obtient une étrange possibilité de revenir dans le monde. Et nos sages nous disent, attention, Shavuot en est le témoignage. Mais pour le comprendre, il faut se demander ce que représente Moïse dans l'histoire. Moïse, comment est-ce qu'on l'appelle? Moshe Rabbeinu. Moshe, notre rabbin, notre sage. Bien sûr, Moshe, c'est aussi un père. Il a eu des enfants, il a eu deux fils. Mais il n'est pas du tout considéré comme un patriarche, au même titre que Abraham, Isaac et Jacob, par exemple. La force de Moshe, elle est d'un autre type. Moshe, c'est l'homme de la Torah qu'il transmet au peuple et qui garantit, par cette transmission, que la Torah puisse continuer à dire. Vous le voyez, toutes les interprétations données à un verset à travers les générations, à la fois celles qui ont déjà été données et celles qui seront données un jour à l'avenir, ont, selon la légende, déjà été données à Moïse au mont Sinaï, ce qui fait de Moshe un garant à la fois dans le texte du « il y a » et du « il n'y a pas encore » dans le sens du verset. Il porte en lui les voix de ce qui a déjà été entendu et aussi de ce qui n'a pas encore été entendu. En fait, Moïse garantit par sa présence et son histoire que le sens de la Torah peut continuellement être entendu
et réentendu. Et je voudrais conclure sur cette idée, vous comprenez peut-être lentement ce dont il est vraiment question en fait ce soir, quelle est notre responsabilité quand on étudie pendant toute une nuit en mangeant ou pas du gâteau de fromage blanc. Quand les rabbins disent que Moïse est la réincarnation de l'âme d'Abel, en fait ils suggèrent que par son histoire et par sa fonction dans l'histoire, Moïse est le seul à pouvoir offrir à cet homme assassiné une forme de tikkun à travers nous, ses disciples. Parce qu'en fait, toutes les voix de l'interprétation qui n'ont pas pu être entendues précisément parce que Abel a été assassiné, toutes les générations, Kol Dmei Achicha, les sangs de la terre qui ont été bâillonnés, qui n'ont pas eu la possibilité de faire entendre leur lecture et leur interprétation du texte et du monde parce que la violence s'était abattue sur eux ou sur leur père, vont pouvoir, étrangement cette nuit, être replacés dans le monde par notre étude de la Torah et par tout ce qui est en jeu dans cette traversée. En fait, on reçoit la Torah des mains de la réincarnation d'Abel, c'est-à-dire que nous permettons à ces voix qui étaient sous terre de retrouver pleinement leur force. Et alors c'est par nous et par nos enfants que peuvent parler les voix d'Abel qui ont été tuées, qui ont été tues. Et nous sommes exactement ceux qui, comme les générations des fœtus du Mont Sinaï, peuvent opérer un tikkun de ce qui n'a pas encore pu être. Voilà comment, ce soir, par notre étude, nous ramenons la descendance d'Abel au monde, rien que ça. Voilà. Alors, bonne nuit de tikkun à vous tous.